Salut à toutes et à tous, c'est l'EPT06 et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Gran Turismo 6. Alors aujourd'hui donc on va faire comme on avait prévu un nouveau petit défi d'endurance. Alors aujourd'hui il va s'agir de celui de Spa-Francorchamps. Voilà. Alors faites pas attention. Voilà. C'est pour me réveiller. Voilà. Alors, Spa-Francorchamps. Allez, on va faire Spa-Francorchamps. Alors, j'ai choisi la voiture. On va prendre celle-là. Puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas, on va affronter des R10. Moi, c'est une R18, donc je présume que normalement la mienne doit être un peu plus puissante. Enfin, je crois. Et puis je crois qu'elle est un peu bridée, donc on va la débrider. Bah ouais, y a pas de soucis. Ah, laisse blaze. Eh ouais. Alors, on va voir ce que ça donne. Je crois qu'il y a un truc de bridage en puissance. Même pas. Mais c'est quoi qui fait ça? Wesh! Oh bah non alors, hein. Tant pis, on teste. Et non, 905. Bah, on teste, hein. On teste. On teste. Si on y arrive fastoche, ça va. J'ai vu que furtivement qu'il pleuvait. Pas bon signe. Oh merde. Ah bah, ça commence bien. Ah, par contre, pas mal l'intro là. Voilà, ça fait. Ça fait classe avec toutes les voitures hein, qui clignotent. Ah, ça fait clignote. Ça clignote. Oh, ça fait des lumières. C'est cool. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ok, d'accord, allez, salut. Voilà, au moins, on est prévenu. On va chercher la 905, la 908. Oh, voiture pourrie, c'est bon, tu m'as gavé. Allez, salut, tu dégages, tu m'as gavé. Allez, on va choisir une autre. Ça prend 2 secondes. Oh, putain, c'est pas vrai, ça, les voitures de merde, pareil. Oh là là, franchement, je pensais qu'elle était ici, elle était bien, mais elle l'est plus. Hein. Franchement, elle a perdu toute sa qualité. Alors, on va prendre une vraie voiture. Allez, hop. Bordel. Ah, mais attends, j'ai choisi de prendre les pneus de base. Après, il va plus pas me voir, j'en suis sûr. C'est dégueulasse. Il n'y a plus peu voir, on prend pour un con là. Ah non, et puis là il y en a 3 de 900 000. Mais non, les gars, non, changez pas, non, je change. Salut, pas sympa là. Donc j'aime pas ça, ça va me saouler. Encore tu veux, hein. Bon, par contre, c'était bien au début, mais c'est chiant là. Allez, 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 on s'en fout. Accélère. Ça saoule. Ah, je suis gavé là. Déjà.
Allez. Là, on est mieux parti, je pense. Bon, bah, de toute façon, l'humidité diminue, donc ça va aller mieux. Ouais, on peut sécher la piste aussi, ouais, là. Ça commence un peu à gaver. Bon, là, c'est un peu mieux parti, je pense. Ça va être dur, mais c'est mieux parti. Il rentre au stand? Allez, ah, change de pneu. D'accord. C'est quoi ce bordel? J'ai 1094 chevaux là. Hein? Oh, tu te fous de ma poire là? Ou attends, attends, je suis en train d'halluciner là ou quoi là? Oh, moi, voiture plus puissante que, que toutes les vôtres. C'est quoi cette histoire là? La piste est en train de sécher, tu te fous de ma poire là? J'espère que c'était une hallucination, hein. Je crois que je me suis tapé la tête. Hein. C'est quoi? J'ai eu l'impression qu'il y avait du bruit là. C'était juste mon écran ou mon imagination? Ah non, non, il y a vraiment du bruit là. Enfin, il est petit quoi. C'est pas mal, ils ajoutent des petits trucs. C'est cool. Ah, la partie nuit, j'en étais sûr. Bon, tu. Eh oui, allez, c'est bon. Oh là là! Putain, que ça va être chiant! Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh putain. On n'est pas sorti de l'auberge. Sérieux là. Là tu passes de difficulté faisable à infaisable. Direct. Tu sautes. Oh tu. C'est carrément tu passes du coq à l'âne. C'est quoi cette course qui va me faire péter un câble? Tu arrêtes tout de suite. Hein? On arrête tout de suite des cochonneries. Ah, vous laissez doubler, vous me laissez gagner la course, putain. Quoi cette bagnole là? Les gars, j'ai pas plus puissant, hein, donc c'est ça ou ça. Hein. Tu gênes! Dégage! Mais oh, mais ta mère. Mais ouais, mais la piste elle sèche après. Mais elle sèche ou elle sèche pas? J'ai pas compris là. L'indicateur il diminuait tout à l'heure. Normalement elle sèche.
Restons calmes. Restons calmes. Tout va bien. Tout va très bien. Tout va très très bien. J'ai juste envie d'assassiner quelqu'un là. C'est pas grave, tout va bien. Allez, voiture de merde, bouge. Oh. Une poussière, c'est chiant. Voilà, Gavant, merci. Oh putain, c'est beaucoup mieux là. J'ai l'impression qu'on va pas y arriver. Hein. Oh, j'ai 1094 chevaux, lol. Couché. Derrière. Tu fais pas chier là. Ce serait cool si la piste pouvait bien sécher là. Sors de là. Et qui t'a dit d'avoir le droit de sortir? Non mais oh, c'est non mais oh, ça va me saouler hein. Franchement, ça va me gaver. N'importe quoi. Ça commence à me gaver. Ils font des arrêts tous les tours ou quoi?
Va s'arrêter de pleuvoir, wesh. On a zéro. Zéro. Tu peux pas pleuvoir, hein, et enfin, c'est impossible. C'est n'importe quoi là, ce qu'elle me fait la voiture, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh! Je ne comprends pas la voiture là. Elle me fait des trucs, mais c'est à s'arracher les cheveux là. C'est quoi cette course de zinzin? L'indicateur de pluie est à zéro, mais il pleut. Normal. Tout va bien. Et ta technologie de merde. Voilà. Enfin, la logique est respectée. Oh non, l'indicateur remonte. Puis aussi, quelle idée d'aller foutre de la pluie à chaque course d'endurance. Non mais oh. Bon, polyphonie, les courses d'endurance ne se passent pas toutes sous la pluie. C'est rare, ça s'appelle la météo normale. Faut pas abuser la chose, hein. Pas à toutes les courses, je suis désolé. Il y a des 24 heures du Mans où il n'y a pas plus une goutte. Il y a d'autres courses d'endurance où il n'y a pas plus une goutte, alors que pourtant il faisait pas beau. Faut arrêter. Faut arrêter l'hallucination, les copains. Et à chaque fois, je sors, à chaque fois, ce virage. J'en ai marre, mais il me saoule ce virage. Oh. Oui. T'avances, salope? Parce que j'allais plus avoir assez d'essence. Ah, c'est les RB, c'est le descendu de l'indicateur. D'accord. Youpi. Tant mieux. Tant mieux pour ta gueule. Moi, je m'en branle. Allez, dépêche-toi, hein, parce que demain, on est encore là. Quatrième. Allez. Allez, allez, allez. Le cinquième est là. Ah, ça va être ric-rac. Je pense pas que. Ah, sinon, un sixième. Septième. Bon, alors. Eh, c'est où? Ça fout les jetons.
Bah tiens, allez, vas-y, continue de sortir, salope. Comme si je t'avais donné l'autorisation de faire ça. Allez, continue. Ah, comment ça me saoule cette caisse. Pourtant, elle est géniale, hein, mais là, je comprends pas, elle me fait pas ce que je lui demande. Pourtant, c'est le même pilote, c'est la même manette. Y a rien qui a changé, hein. Et allez. J'arriverai pas à prendre ce virage correctement. Hein. Vous voyez, ils ont fini de s'arrêter à tous les tours. C'est maintenant qu'ils font ça, ces petits salauds là. Non, tu passeras pas, j'en ai rien à foutre, je suis plus puissant que toi. C'est pas normal là. C'est de l'illogique là. De l'illogisme, pardon. Non, je sais plus si c'est l'un ou l'autre. C'est pas logique du tout. Non? T'es plus lent. Comment c'est possible? Moi, avoir 1000 chevaux. Toi, en avoir 700 ou 800. Pas 1000. Je t'arrête de me niquer la gueule. Parce que je te jure, tu vas finir au fond de la poubelle. Oh, c'est bien bon, là. Désolé, une voiture de 1000 chevaux ne peut être attrapée par une voiture en dessous. Surtout que moi, je suis une proto, LMP1, lui, vieille, toute vieille LMP1, toute pourrie. Alors, faut arrêter la connerie. Bon, maintenant, on va s'occuper d'un vrai adversaire. Enfin, un vrai adversaire, le cinquième, quoi. Dégage. Voilà, j'ai compris pour comment on ne peut sortir à ce virage là. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Bon. Toujours pas. Que quatrième, ouais, faut se bouger un peu le cul. J'ai pas donné l'autorisation, merci. Allez, allez. Bah tiens, comme d'hab. Mais c'est quoi cette course? Et là, comme par magie, il s'arrête plus, ces enfoirés, hein. J'arriverai pas à faire le virage.
Non, tu redescends l'indicateur pluie. Non, arrête de monter, sérieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je reprends la piste. Merci. Et tu niques tout. Bah tiens, bah tiens, bah tiens, vas-y, allez, bien sûr, bien sûr, bien sûr, normal. Un foot, c'est quoi? J'arriverai pas, alors j'arriverai pas. Et ça arrête toi. T'as tout compris là. Mais ça me saoule ce truc. J'aurais assez pour faire un tour là, à faire le malin. Bah on verra, hein, écoute. Allez, allez, on peut le faire. J'aurais dû faire le virage plus large en fait. N'importe quoi ce jeu. Allez, perds du temps, salope, perds du temps, c'est ça, t'as tout compris, vas-y, perds du temps, allez. J'espère que je fais pas une connerie. Normalement non. Non mais j'ai même pas touché l'herbe, je comprends pas. Peut-être le report, je sais pas. De toute façon, des fois t'as des trucs buggés, hein, ça arrive à tout le monde. Allez, stoppez tout, stoppez tout, stoppez tout. Ouais, il est temps que tu me lances, toi. 36 secondes.
Ah non, ils sont pas arrêtés, c'est des pile poil. C'est quoi ce temps de réaction à chaque fois? Non, mais. Je sais pas, attends, réfléchissant bien. Je crois. Ah si, je crois avoir touché l'herbe. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Bah, c'est chiant, mais bon, c'est quand même. Non, mais je me suis un peu énervé pour rien, mais c'est énervant parce que des fois, t'as. Pour 1 mm, bon après de toute façon on est sur PS3 hein, donc tu sais des fois t'as des petits trucs buggés, ça arrive et puis bon bah, voilà tant pis. Hein. Tu te dis au moins sur PS4 ça y sera plus, c'est ça. Donc c'est pour ça, tu pardonnes. Voilà, faut pardonner, voilà. C'est comme le truc, même sous la pluie je suis désolé, t'as une voiture qui est 250 chevaux moins puissante que toi et elle arrive quand même à... Normal. Tout va bien, tout va bien. Alors quand même que ma voiture est ultra légère. Enfin pas ultra mais elle est très légère. C'est un peu une proto LMP1. Donc c'est un peu hyper puissant. Hyper rapide. Enfin bon. Ouais, c'est pas grave. Hein. C'était quand même rigolo, voilà. En y réfléchissant bien, c'était quand même rigolo. Hein. Mmh. Allez, maintenant il pleut plus une goutte, il fait un beau temps magnifique. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. La 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 la. Moi j'attends la fin, j'ai pas envie de me retaper un tour. Hein. C'est bon. Et voilà! Oh, j'allais pas me retaper un autre tour de plus. Hein. Et puis on ne sait pas s'il faut y aurait eu un bug, s'il faut le machin, il m'aurait fait bugger, il m'aurait fait terminer dernier parce que j'ai fait un tour de plus ou je sais pas, hein, il peut toujours y avoir un bug. Hmm. Ah, ça fait du bien. Ah, le bon petit. Le petit coup de la victoire. Ah, ça fait du bien. Ah. Ah ouais. Oh là là. Eh franchement. Eh mais franchement, là on est passé du coq à l'âne. Hein. T'es passé d'une course comme ça à une course où t'as envie de ping tirer une balle en train. C'est chaud. Hein. C'est chaud comme truc. Hein, mais bon, après je sais pas. Non, non, mais bon, au moins c'est fait. Voilà, c'est ça. Au moins cette course à la mort, moi le couille, elle est faite. La prochaine, c'est l'Ascari. Circuit complet. On va revenir avec des voitures. Voitures normales. Bah tiens. Non, celle-là, elle a été un peu dure. Celle-là aussi. En fait, je vais prendre quoi comme voiture? Parce que je sais pas, elles sont toutes un peu. Très dures à piloter. T'as quoi? J'ai Viper, Gallardo. On est mal. Bon, je peux en prendre celle-là alors. Ça passe au moins. Ça passe. Enfin bon, on verra pour la prochaine fois. Hein, donc le l'Ascari Race Resort. Génial. Ah là là. Allez, courage, plus que 3 courses. Plus que 3 courses, on aura les 24 minutes du Mans. Alors là, ça va être encore plus drôle. Là. Oh. Oh là 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 là. Et après, t'auras deux trucs pour te calmer. Et après, t'auras les petits les extras pour te calmer. Voilà, c'est ça, c'est... Bon, allez. Sinon, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et le petit pouce bleu. Me suivre sur Twitter et Facebook pour suivre ce qui se passe quotidiennement. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée du mardi. Allez, salut à tous, bisous!